Les roues sont atroces. Comment ça? Les dracos, ils sont incroyables. Critiquez pas les dracos, s'il vous plaît. Rocket League, c'est comme un muscle, faut l'entraîner tout le temps. Merci pour ce conseil. J'en prendrai soin et je saurai l'appliquer. Bon, allez. Concentrez-vous, c'est le moment de deviner son rang. Il ne l'a pas dit. On va tester tout ça un peu, là. Ok, c'est pas si mal, hein. Il maîtrise quand même le dribble. Il y a eu un flic plutôt correct. Mais c'est sa première game, hein, donc faut pas trop juger sur... sur des mauvaises perfs. Essayez de voir en général les habitudes qu'il a. Il contrôle beaucoup, je trouve. Peut-être... Oh. Merde, je fais de la merde, là. Ok. On va contrôler ça. J'ai gêné. J'ai vu un truc de Batira, il a fait un truc comme ça. Et en fait, il a dash en arrière et il a atterri sur le mec. Il va me rush là-dessus. Normalement, il devrait pas me rush, mais à part à l'atterrissage. Ici, il me fait le challenge. On va faire un flic, on va voir. Ok, ok. Bon, sans, en vrai, ça en dit long sans vraiment en dire long. Mais je pense qu'il est minimum, mais vraiment minimum champion. Oh, let's go. C'est tout juste, hein. C'est tout juste. Je pense qu'il est C3 GC. Moi, je pense pas le GC, honnêtement. Mais c'est sa gamme de chauffe, donc ça peut être probable, ça peut arriver, tu vois. Oh, j'ai raté. I. Ou soit juste, il joue jamais en AV1. S'il est GC, c'est qu'il joue pas souvent en AV1. Et s'il joue en AV1, ça doit être un C2, C3, je pense. Mais au début, il dribblait beaucoup, donc je me demandais si c'était pas un joueur AV1. Mais les joueurs AV1, ils font pas que dribbler, tu vois. Je pense qu'il joue pas beaucoup en AV1 et... Il a pas les habitudes. Tu vois, vraiment, il dribble beaucoup sans trop faire de fake, etc. Bon, ça, c'est bien joué, hein, tu vois. C'est juste moi qui ai mal joué, là, je pense. Mais c'est ça. Non. Ok, ça va, j'arrive à contrer. Il m'a fait un T là-dessus, mais en vrai, c'était assez évident que je l'avais en premier. J'ai juste été naïf. Salut Mister Baga. Ouais, Mère Baga, je sais pas. Hop. 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 GG. Bon, allez, pronostic avant de donner ton rang. Qui pense quel rang il est? Moi, je dirais quand même un bon C3. Hein. C2, C3 pour Minilac, C2 pour Circa. Moi, je dirais C3. C3 pour Kamikaze. L'OGC Pix GC2 en 2v2, tu veux dire. On est d'accord que t'es pas un joueur AV1 et je joue pas beaucoup. Ok, ok, ok. C'est pour ça que c'est dur. C'est la première game et en plus, si je joue pas beaucoup en AV1, c'est dur de juger. Bon, allez, on va essayer de juger. On va deviner son rang, évidemment. Vous pouvez y participer. Si je vois des. On va dire des erreurs, entre guillemets. Et je verrai ce que je peux dire. Oh! Comment j'arrête ça, moi? Ah oui, comment j'arrête ça? J'étais bloqué là. Oh. Il y a eu un fake challenge, enfin une tentative de fake challenge. Mais le problème c'est qu'à ce moment, comme j'avais quasiment un open, c'était un peu dur, tu vois. Et je me doutais qu'il allait pas sauter en vrai. Tenter un petit flic. Ça va, c'est bien arrêté en vrai. Il la met sur le côté, c'est ok. Rebond pas fou, tu vois. Il sait pas setup la balle avec, en l'arrêtant. Ça, c'est vraiment une qualité qui peut être fou en AV1. C'est à chaque fois que t'arrêtes une balle, il faut que t'arrives à te la setup en fait. Faut pas que tu la tapes dedans sans réfléchir. Faut que t'arrives à l'envoyer vraiment là où tu veux. Parce que le truc le plus fort en AV1, c'est de garder la possession. Peu importe ce que tu fais, peu importe ton nombre de boosts, tant que t'as la balle, il peut rien t'arriver. Je vais attendre, voir ce qu'il fait. C'est jeté un peu tôt. Wow. Ok, bon. Je voulais juste le dépasser, je l'ai bump. C'était pas fun fun. Plante un petit flic, elle est au-dessus. Je vais faire en deux temps, mais pas très forte. Ok, ça va. Il est assez patient. C'est pas si mal, hein. Franchement. Mais on sent que... En termes de précision, c'est pas une folie, tu vois. C'est pas sa première game ou quoi.
Il a pas encore eu un seul contrôle genre sur la voiture et tout. Pour l'instant, je tournerai plus autour du diamant, tu vois. Oh, elle passe à côté. Là, je open en soi. Je sais pas si ça aurait pas été mieux qu'il saute dessus, en fait. Après, c'est dur à voir. Là-dessus, tu vois, je saute direct. Je peux tirer. Donc, s'il me la cut pas, il y avait quasiment open à tous les coups. Et il saute. C'est pas si mal, hein. C'est bien défendu, en vrai. Bon, ça me laisse une bonne balle, forcément. Moi, je suis avantagé là-dessus. Parce que j'ai pris le contre. Quand tu prends le contre en AV1, c'est tellement fort. Bah, il n'y a même pas que en AV1. En vrai, je vois le contre sur Rocket en général, c'est tellement fort. Genre, t'attends que le mec il tape la balle, tu vois. Hop, et tu la retapes derrière. C'est débile, hein, mais c'est tellement fort. Si je la tape bien, bah, j'ai juste un setup et après, j'ai tout droit. C'est pour ça que être patient sur ce jeu, c'est très très fort. Mais bon, en vrai, c'est un peu ennuyeux à jouer contre ça. Parfois, tu veux juste essayer de surprendre et d'accélérer. Bah là, c'est même pas être en retard, hein. C'est juste faire exprès de taper après, quoi. C'est pour ça que parfois, tu vois des duels où les mecs, ils se regardent et il y en a aucun des deux qui touche la balle, tu vois. C'est juste parce qu'ils veulent jouer le contre. Et du coup, c'est drôle. En vrai, c'est drôle. J'ai voulu le feinter, mais non, pas marché. En vrai, j'ai pas encore tiré une seule fois, donc je pense qu'ils s'en doutent que je vais feinter, mais... Dommage. Ok. Je trouve que t'envoies trop la balle. Faudrait que tu la gardes un peu plus sur toi. Genre là, tu peux pas trop me surprendre si tu la gardes pas proche de toi, la balle. En fait, faut pas jouer rapide en AV1. Faut vraiment prendre son temps. Et faire des mouvements qui peuvent juste battre son adversaire. Y a pas besoin de faire des trucs rapides, impressionnants. À partir du moment où t'as pas dessus ton adversaire, t'as juste à mettre un open. Merde. I. C'est un, moi je dis. Masso qui dit c'est un. Moi je dirais après. Mais en vrai, ça va. Hein. Il a dit je suis nul, je m'attendais tellement à pire. Franchement, il s'en sort bien. Tu dis D3, Minilac ? Moi, je dirais... Ouais, D3, c'est bien, je trouve. D3 ou D2 ? Après, Oelo, ouais, c'est pas la même. Ouais, c'est pas du tout pareil. D3 aussi. Ok, du coup, je suis non classé. Ah ouais, bah ça nous aide pas beaucoup, là. Sinon, ouais, je suis D3 toutes les saisons. On était dans le bon. Bien joué à tous. Je comprends pas l'intérêt de Zapdash à la sortie de la speed flip. Si t'as du boost, ouais, ça vaut pas trop le coup. Mais au contraire, ça pourrait te permettre d'économiser du boost. Mais quand t'as pas de boost, c'est vraiment fort. C'est très situationnel, c'est comme l'infinite dash. Mais à très haut niveau, ça fait vraiment la différence. Bon, j'ai été gentil là-dessus. Bon, allez. On va voir comment ça joue. Comment ça clicote. Ah, j'ai bien aimé le... Ouais, le... Tu vois, le moment où... Ok. Bon, tentative un peu frauduleuse, mais happens. Hein. C'est un film. Et je vais pas l'arrêter. Je comprends pas. Théoriquement, la sortie de Speed Fit est en supersonique. Ouais. Au kick-off, ouais. Si tu parles au kick-off, ouais. Mais il y en a beaucoup qui le font après le kick-off, tu vois. Après avoir tapé la balle, quand t'as 10 de boost, tu peux faire un zap dash. Et en vrai, moi, c'est juste parce que je suis pas assez bon pour vous le montrer et vous le prouver, mais je vous assure que c'est très fort. Bien utilisé, c'est très très fort. C'est comme le wave dash, tu vois, en soi, c'est... T'as pas l'impression que c'est si fort que ça au début, mais quand tu te rends compte que c'est vraiment une mécanique de déplacement qui te permet de prendre de la vitesse, d'économiser du boost, de bait, des trucs, c'est vraiment fort. Hein. Quoi cette balle rendue là, Ben? Oh merde. Ah, tu peux spammer waouh chef, mais regarde tes buts aussi. J'ai raté ma pinch, d'accord, mais...
à être le but. Ah mais j'ai pas fait afficher le chat et tout sur le live. Et j'ai même pas... Je suis trop con, ok. En soi, il met de la pression, Ben, tu vois. Donc ça va. Et juste, je trouve... Putain, faut que j'y réfléchisse encore, mais il manque un truc. Il manque un truc. Tu vois, quand il est en attaque, il abandonne pas trop facilement la balle. Mais ça m'a pas l'air dangereux, tu vois. Ça me fait pas... Ça me fait pas peur. Oh merde. Oh, le fight de Golemon. Ouais, j'ai une idée sur ta demi-star, le Dark Sasuke. Bah, j'ai fait comme Ben. J'ai mis la même voiture que Ben. Sauf que lui, il a des lunettes multicolores, c'est plus classe. Et maintenant, faut essayer de réussir à mettre des buts, tu vois. En vrai, en défense, ça va, il se défend bien et tout. Mais il arrive pas à se créer d'occasion de mettre des buts. Petit up dash, ouais. Je vais même faire des infinis dash si vous voulez. Oh non, nul. Mais j'arrive pas à les reset avec la Dominus. C'est dur. Il est quoi, Ben? Ah ah! À vous de deviner. C'est pas si mal, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'ils jouent au hasard. Genre, ils viennent flic. Ils viennent faire un flic. Mais il était pas cadré et il était pas sur un timing où j'aurais pu être dangereux, tu vois. J'ai l'impression il peut faire des trucs, mais il les fait pas en fonction de ce que je fais. Il prend pas l'information de où je suis et si je suis dangereux à ce moment-là. Tu vois, parce qu'en AV1, tu vas toujours essayer de flic au moment où le mec il saute. Ça paraît logique, mais il faut prendre l'information, il faut regarder ce que fait le mec. Là, c'est déjà mieux. Là, c'est clairement, là, il m'a écouté, il a attendu que je freine pour faire son flic, il a fait son flic et je suis mort, tu vois, genre. C'est comme ça que ça marche. Non, là j'ai pas de chance. Moi j'y chante déjà. Oui, il me l'avait dit, mais comme je fais attention à tout le monde, je m'en souviens pas. Ok. Bon là il a flic parce qu'il avait raté son contrôle, enfin il était trop court. GG. Mais je pense ouais, c'est juste ta prise d'information, elle est pas assez précise. Peut-être que tu le fais, mais tu joues pas en fonction, tu vois. C'est pas tu fais un double reset parce que t'as envie de faire un double reset. Tu veux faire une double tap parce qu'il y a personne sur le backboard et que le mec est dans son but. Tu veux tirer tout droit parce qu'il y a personne dans le but et qu'il est sur le backboard. Tu préfères faire un flic parce que tu vois que le mec il est pas dans son but et que tu peux le lober au moment où il tourne. C'est que des trucs comme ça. Allez, C2, pick C3. On a du D2, D3. On a quoi encore? Pas regarder, mais je dis C3. Moi, je dis platine 3, moi. D2. Moi, je dis pick C2, mais D3 ou C1. Alors, révélation. La saison dernière, j'étais P2, là, D1. Ah, j'étais pas loin. Hein. Je suis choc béton. Mais c'est parce que c'est un freestyler, Ben, c'est pour ça. De toute façon, il joue Dominus, hein, ça veut tout dire. Hein. Vous auriez dû comprendre. Hein. Je l'ai pas dit, l'argument fadidique. Mais les joueurs Dominus... Ok, bon j'ai invité Netron, si je me gourre pas c'est ça. Natron. Ok, à une lettre près. À une lettre près j'étais bon. Oh, la balle perdue pour les joueurs Dominus. Elle est pas perdue cette balle, elle est complètement méritée. Tous les joueurs Dominus ils font n'importe quoi en ranked, ils en ont rien à foutre. Je stresse. Bah, fais avec. Meilleur conseil que je peux te donner. Ok, go. Ok, c'est reparti. J'ai pas de musique. FF. Ok, ça, pour l'instant ça joue, hein. Honnêtement, dès le kick-off j'ai vu, speed flip, tout ça. On sent qu'au niveau des clics, ça y va, hein. Ça hésite pas trop. J'ai laissé ce boost, j'aurais pu le prendre mais on va laisser. A voir, bon ça c'est peut-être la panique. Ok, il est très bien sauté là-dessus. Honnêtement, il n'est pas mauvais. Bon, j'espère juste que c'était un raté, ça. Parce que ça annonce pas du bon pour la suite. Ok. Comment je mets ça, moi, la team? Je suis bloqué au poteau, là. Ok. Ça joue vite. Mais c'est pas très, très précis, hein. Mais ça joue vite. Donc, en vrai, c'est pas si mal. Mais voilà, tu vois, genre, il n'y a pas trop de réussite dans les moves.
pas très précis, pas très dangereux. Ça part au plafond, ça part partout. Parfois, c'est bien aussi de calmer un peu pour faire des trucs plus sensés. Bon, je vais pas... Est-ce que je le mets sur... Je vais juste tenter un tir, on va voir comment il l'arrête. Bon, ok, après j'ai mis une lucarne à droite quand même. Je sais pas si elle était possible. Je sais pas s'il pouvait l'arrêter en vrai. Je vais juste regarder. Ah, en fait, t'as freiné beaucoup trop tôt là. Mais je sais pas s'il aurait pu l'arrêter quand même. C'était assez dur, j'avoue. On va voir ce qu'il fait. Il a pas trop l'air intimidé par le fait que j'allais m'approcher de la balle. Que j'aurais pu être premier. Donc soit il a pas regardé. Soit juste il est confiant. Ok. Ouah, j'ai de la chatte. Il faut réussir à ralentir. Genre là, il prend bien son temps, mais ouais, il a pas réussi à me battre. Bon, après, c'est normal, hein, pas non plus. Faut pas me battre non plus tout le temps, mais la tentative est un peu bancale. Et je dirais, offensivement, il manque des trucs, tu vois. La mécanique de dribble, elle est pas folle, là. Mais il a du mal à garder la balle sur son capot. Soit il prend juste pas le temps de la mettre tranquillement, tu vois. Là, il fait que beaucoup, je trouve. Il y a un peu plus d'hésitation là, ça se ressent. Ok, là il prend son temps. Flic un peu tôt, mais pourquoi pas. C'est un beau flic en soi. Chef. Ah, je peux pas la mettre. Ah. Je vais au moins voler le boost. Ok. Je vais le voir tout le temps. Ok, c'est bien tenté. Hein. C'est bien tenté, mais ça manque... Ça manque de réussite. C'est malheureux. Plate 2 ou 3. Ah ouais. Je m'approcherai quand même du diamant, mais... Oh, celui-là était joli. Celui-là était joli. En fait, au début, il jouait super vite. Il a essayé de s'adapter, mais... Ça a pas trop marché. Des deux div 3, ouais, ça c'est précis. Ouais, moi, je serais plutôt pour... Enfin, je vais attendre que vous le dites. GG. Et que bien en l'air, c'est un mini. Franchement, au début, il jouait super bien. C'est pour ça. C'est un peu bizarre, c'est un peu dur à juger. Je pense que c'est surtout en attaque, ça manque de précision. Je sais pas si tu t'entraînes pas mal sur les dribbles, tout ça. Des 2 ou des 3. Moi, j'aurais dû peut-être plus des... Un des deux, tu vois. Mais franchement, au début, il jouait bien, du coup, c'est bizarre. Des deux D1. En vrai, c'est dur. Hein. Là, celui-là, il est dur. Mais je dirais des D1. Je vais rester sur un D1, moi. Ok, révélation. Petro en 1v1 et Diamant 2 en 2v2. Ça va, j'étais pas si loin, ça va. Mais franchement, non, tu jouais vite à un moment. Juste, bah, t'as changé, t'étais plus confiante. T'as perdu confiance, j'ai l'impression. Au début, il était confiant ou je sais pas. Il a bien fait avec le niveau. Non, mais il a bien joué en vrai. Il y a eu des beaux moves.